comme vous le savez, Noël arrive à grands pas. Et pour distribuer les cadeaux, le Père Noël et ses équipes ont une petite tactique. Le Père Noël distribue toujours les cadeaux rouges, parce que le Père Noël porte un costume rouge. Et les lutins, eux, ils distribuent toujours les autres cadeaux. On va refaire, on va la refaire. Alors, on va la refaire. On va mettre ici, on a le lutin, on a le L, on va mettre le Père Noël ici, et le lutin, voilà, comme ça, voilà, parfait. Et voilà, voilà. Comme vous le savez, tous les ans, le Père Noël distribue les cadeaux. Et le Père Noël et les lutins ont une petite tactique. Le Père Noël distribue toujours les cadeaux rouges parce qu'il est habillé rouge. Et les lutins distribuent toujours les autres cadeaux. Comme ça, tout le monde sait ce qu'il doit faire. On va changer les cadeaux. Ici, la lettre de coco, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de me faire une petite blague. Ok? Donc, vous restez là, toi tu restes là. Ok? Et on va juste changer les cadeaux. On va la refaire. Comme vous le savez, tous les ans, le Père Noël distribue les cadeaux. Et pour ça, il est aidé par ses équipes. Mais il faut savoir qu'ils ont développé une petite tactique. Le Père Noël porte un costume rouge, il a toujours distribué les cadeaux rouges. Et les lutins qui portent un costume rouge distribuent les autres cadeaux. Ok. On va la refaire une dernière fois et là normalement ce sera parfait. Comme vous le savez, tous les ans, le Père Noël distribue les cadeaux. Et pour ce faire, il a une équipe de chant. Il est aidé par ses lutins. Mais il faut savoir que comme le Père Noël porte un costume rouge, il préfère distribuer les cadeaux rouges alors que les lutins distribuent les autres cadeaux.